monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai vraiment pas l'habitude de faire puisque j'ai vu que ça se faisait sur d'autres chaînes. En fait, je me suis dit bah pourquoi pas tout simplement. Je vais simplement vous proposer ce que je vends en ce moment en fait, des choses que j'ai vraiment plus besoin et qui traînent dans ma chambre et je sais vraiment pas quoi en faire. Alors toutes les choses que je vais vous proposer, elles sont sur Vinted. Je vous mettrai mon profil, enfin le nom de mon pseudo, je m'en souviens même plus, bah en fait c'est 11 baisers, je suis trop conne. Je vous mettrai en barre d'infos et c'est sur Le Bon Coin aussi, mais Le Bon Coin c'est complètement paumé, enfin mes affaires elles partent vraiment pas. Alors soit les gens me disent ok je viens demain, moi je bloque ma matinée pour recevoir le mec et en fait il ne vient pas, donc bref c'est la merde. Et puis une fille sur Twitter m'a dit mais vends, enfin fais carrément une vidéo YouTube et tu montres tout ce que tu vends, au moins ce sera regardé et puis ça a peut-être plus de chance, je pourrais profiter de ça justement pour vendre. Alors j'ai vu que bah, surtout ça se faisait en fait pour les vêtements, les filles postaient une vidéo sur YouTube pour vendre leurs vêtements et moi j'ai zéro vêtement en fait là. Du coup, enfin vous verrez, c'est très varié, il y a beaucoup de choses. Et puis bah si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Dans la barre d'infos, je vous mettrai bah, mon profil Vinted et ainsi que mon adresse mail. C'est vraiment là qu'il faudra me contacter, pas sur Twitter, pas sous les commentaires YouTube, enfin vaut mieux pas. Vraiment sur mon adresse mail, ça serait nickel. Alors, on va commencer tout d'abord avec les coques. Alors j'ai 6 coques de portable pour iPhone 4 à vendre. En fait j'ai changé de portable, j'avais un iPhone 4 dont la batterie ne marchait vraiment plus, genre ça se déchargeait en 30 minutes. Du coup maintenant j'ai un iPhone 5 et puis bah toutes celles-ci ne me servent à rien, donc autant les revendre. Tout d'abord j'ai la petite Stitch, j'ai un petit chat, hop voilà, tout simple. J'ai celle-ci qui est jolie aussi. Ensuite, beaucoup plus sobre, j'ai vraiment tout noir, enfin voilà. C'est du silicone dur je dirais en fait, c'est pas vraiment du plastique. J'ai celle-ci, voilà, qui m'a beaucoup servi quand même mais qui est vraiment nickel. Et ensuite, j'ai une comme celle-ci, vraiment en silicone. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé des produits Mulatto, parce que j'aimais vraiment beaucoup cette marque, et parce que j'avais acheté des choses sur leur site, et donc en fait, je revends ce repigmentant. En fait, c'est un soin crème sienne brûlée pour des reflets cuivrés, donc pour toutes les filles qui ont les cheveux roux, cuivrés, ou même pas châtains, qui souhaitent intensifier leur couleur, bah c'est ce que je recommande. Je l'ai utilisé 3 fois comme vous pouvez le voir, je crois qu'il est à 20€ sur le site. Ensuite je vends un bouquin, je sais pas si certaines de vous connaissent, donc le titre c'est Indécise de S.C. Stephens, donc c'est le tome 1 de la trilogie je veux pas savoir le dire, Fourceless, je vais vous l'écrire, Fourceless. Il est nickel, les pages sont un petit peu jaunies, c'est pour ça que je vais carrément baisser le prix, je l'ai payé à 17€. Bah, je vais le revendre, ouais, 9€, 9-10€. Et pour l'été, je pense que ça peut être cool. Enfin, il est pas corné, il est vraiment comme neuf, à part que les pages sont un peu jaunies. Je revends, en fait, mes Adidas, c'est des Adidas roses, en fait. Je sais pas du tout laquelle c'est. C'est taille 38. Elles sont vraiment nickel, je vous mettrai des close-up, mais elles sont vraiment comme neuf. J'ai dû les mettre, quoi, 2 fois, en tout cas, c'est vraiment... Parce qu'en fait, j'ai acheté les mêmes en noir, et je préfère carrément celles en noir. Elles sont nickel, elles sont comme neuf, donc si ça intéresse des gens plus que moi, qui les utiliseraient plus que moi, bah autant les revendre en fait, je me suis dit. Donc c'est des Adidas, elles sont nickel. Il y a quand même une assez grosse semelle. Enfin, ensuite je revends des petites bottines à talons, donc elles se présentent comme ça. En fait il y a des petites franges, bon elles sont pas super longues, ça prend pas par terre. Et puis en fait je les mets pas tout simplement à cause des talons. Un jour je me suis dit bon je vais acheter des bottines à talons et je fais déjà 1m77, du coup voilà je suis vraiment trop grande avec et j'aime pas. C'est du cuir véritable à l'intérieur, j'ai vu, j'avais même pas remarqué en l'achetant. Mais bon voilà, elles sont nickel, on est très bien dedans. Taille 37 et puis enfin voilà, elles sont nickel, elles se ferment avec des petits lacets. Voilà, talons et franges et cuir. Pour rester dans la catégorie des talons, à un moment, j'envoyais beaucoup ma candidature aux agences de mannequins, étant donné que je suis fine et que je suis grande. C'est juste que mon physique correspondait à leurs critères. Voilà, je suis taille 34. Enfin bref, ma tête n'allait pas. En fait, ils ont des critères précis. Enfin, ils ont des demandes et il faut qu'ils les remplissent. Et moi, ça allait pas à ce moment-là. J'ai essayé 1, 2 fois, 3 fois et puis j'ai abandonné. En plus, j'avais les cheveux colorés. Bref, ça allait pas. Et il fallait que j'achète des talons, donc j'avais acheté des chaussures à talons, voilà, elles sont neuves, tout simplement. Je sais plus où je les avais achetées, c'est taille 38, elles sont très confortables tout ça, mais bon, moi les talons, voilà, vous savez, je sais pas marcher avec, donc voilà, je les ai jamais mises. Ensuite, je revends mon petit sac Galanterie que je n'utilise absolument plus. Je l'ai utilisé pour les cours il y a un moment au lycée, mais ça s'est arrêté là, et puis vraiment, je sais plus quoi en faire, il prend limite de la place dans ma chambre.
Du coup, je le revends. Je l'ai peut-être payé 15 euros aussi et je le revendrai peut-être 8 euros. Il est immense en plus. On peut mettre plein de choses dedans. Enfin, l'intérieur est nickel. Ensuite, je revends une BD, Les Nombrils. C'est le tome 5. Donc c'est un couple d'enfer. Moi, je les ai tous lus. Franchement, Les Nombrils, c'est ma vie. C'est toute mon enfance. Je le connais par cœur. Puis voilà. Toujours pour rester dans les livres, je revends mes livres en fait que j'avais dû acheter durant le lycée. Donc si vous avez par exemple un cours sur ce livre, ou, bah, j'ai plein de livres en fait à revendre, je sais pas quoi en foutre, c'était de la merde, en plus je les ai jamais lus. Donc en premier j'ai Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée, donc il est comme neuf. Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Voilà, voilà. Là par contre, ouais, non, c'est chaud, il y a des petits bisous de moi à l'intérieur. Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique. Voilà, voilà, si vous l'étudiez... Qu'est-ce que j'ai écrit? Première ES 1. Voilà, voilà. Jean-Paul Sartre, Huit clos, suivi de Les Mouches. Ensuite, j'ai un livre de Louis Sepúlveda, le vieux qui lisait des romans d'amour. Celui-là, par contre, il est vraiment neuf, je l'ai jamais lu. J'avais acheté 5,50€, je vais le revendre 2€ aussi sûrement. Ensuite, L'île des esclaves, suivi de La colonie de Marivaux. Je m'en souviens aussi, je l'ai pas lu, il est neuf. Alexandre Dumas fils, La dame aux camélias. Voilà, voilà, il est nickel. Vanina Vanini, Le coffre et le revenant de Stendhal. Les pages sont encore blanches, j'ai vraiment rien lu. Toujours pour rester dans les études, parce qu'on adore ça, j'ai plein de fishbacks en fait à revendre. Là par exemple j'ai des fishbacks de anglais LV1, LV2. Il y a tout le programme, c'est pour terminal toute série, donc si vous voulez réviser l'anglais avant le bac, c'est le moment. Ensuite, j'ai mes fishbacks mathématiques terminale ES et S. Il y a le nouveau programme dedans. Donc voilà, il est nickel. J'ai jamais fait ça parce que j'ai eu 4 au bac. L'histoire géographie terminale L et ES. Nickel, nickel. Vraiment, je sais même pas comment j'ai eu mon bac parce que j'ai même pas révisé ces trucs-là. Ensuite, philosophie terminale L, ES et S. Donc voilà, là c'est pour toutes les séries. Il est nickel et puis il y a vraiment tout dedans. Je l'ai payé 11€, je vais peut-être le revendre quoi, 5€. Donc vraiment, enfin, je trouve ça quand même avantageux. Et moi je sais que si j'avais vu ça, bah, au lieu de tout acheter avec les sous de ma maman, j'aurais préféré l'acheter via correspondance. Enfin voilà quoi. Espagnol LV1, LV2, terminale toute série. Donc voilà, pour réviser l'espagnol. Français, donc là c'est première par contre. Première L, ES et S, donc il y a tout le programme, annales du bac, et puis ben voilà, il y a tous les textes de français. Oh, il y a encore une feuille à moi, ça c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille de texte. Les secondes qui galèrent, moi j'ai le livre du professeur, et ouais, comme ça il y a tous les corrigés, vous faites les exercices et vous voyez les corrigés après. J'ai complètement oublié de filmer que je vendais aussi cet appareil photo, donc si ça intéresse quelqu'un, je préviens tout de suite, il y a quelques petites griffes dessus, mais vraiment rien de méchant. La batterie est juste là, donc il est vendu avec son chargeur, ainsi qu'avec une carte SD de 16 Go. Je l'ai acheté environ plus de 100 euros, environ peut-être 140 euros à Auchan, donc c'est un Sony, j'ai oublié de le dire. J'ai complètement oublié de dire aussi que je revendais ma boîte de coloration Color Before, donc je l'ai jamais ouverte. C'était la coloration dont j'avais pas besoin parce que finalement j'avais eu suffisamment avec une seule boîte. Donc voilà, et celle-ci c'est sans ammoniaque ni décolorant et c'est usage fréquent. Je revends ensuite deux bijoux pour septembre. Donc le premier c'est un doré avec des petites pierres, voilà. Et le deuxième c'est un anneau en argent. Je crois pas que ce soit du vrai argent ni du vrai or. C'est acheté sur Crazy Factory. Le premier c'est du... Donc tous les deux sont en 1,2 de diamètre. La longueur, le premier est en 6 et le deuxième est en 12. Donc voilà, le deuxième est un peu plus grand, mais si ça vous intéresse. Ensuite, je revends mes écarteurs. Celui-ci, c'est un 5, donc c'est un expander. Celui-ci, c'est un 6. Le violet, c'est un 8. Hop, voilà. Ensuite, celui-ci, c'est un 10, 10 mm. Voilà. Et j'ai le petit 10 mm, le tunnel qui va avec, ainsi que le plug normalement. Voilà, donc c'est un effet miroir et c'est tous les deux des 10 mm. C'est tout pour cette vidéo, je vais bientôt couper parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc je vous fais de gros bisous, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur mon adresse mail en barre d'infos. Un gros bisous, ciao ciao ciao.